après-midi de recevoir Stéphane Konaté. Vous êtes l'un des meilleurs basketteurs ivoiriens de votre génération. Vous êtes l'aîné des basketteurs en exercice ici en Côte d'Ivoire. Hein. C'est vous, vous avez la palme. Combien de temps encore vous imaginez-vous sur les parquets? Non, pas beaucoup de temps. Moi, je vous donne encore peut-être une dernière année. Sous le regard de mes dirigeants et de quelques personnes ici. Moi, je vous donne une dernière année. Après, tout dépend de comment tu te sens. Je pense qu'il y a peut-être temps pour moi de passer à autre chose et de faire un giving back, essayer de redonner ce que le sport a donné comme valeur, comme emploi pour pouvoir aider cette jeune génération-là à faire plus que ce qu'on a fait. Avant de passer la parole à ceux de la jeune génération qui veulent vous poser des questions, comment envisagez-vous alors l'après, les prochaines années pour vous? Mais déjà, moi j'ai créé une association depuis 2016 avec laquelle on essaie de redonner ce que le sport nous a donné. Donc l'association a pour objectif, l'association qui s'appelle Une balle, un espoir, donc c'est tout simple. Donner une balle à un enfant, c'est donner de l'espoir. Donc, cette association a pour objectif déjà de rénover ou de construire des terrains de basket à travers toute la Côte d'Ivoire. On a commencé par Kourou, donc le nord d'où moi je viens, parce que malheureusement là-bas, il n'y a pratiquement pas d'infrastructures sportives, surtout pour le basket. On a un stade de football qui a été trois terrains de basket. Et cette année, on compte construire un terrain de basket et on compte rénover un deuxième terrain. Donc en deux ans, on aurait construit ou réhabilité 5 terrains de basket. Donc permettre de donner à des jeunes ce que vous n'avez pas pu avoir. Exactement. Donc plus on a des terrains de basket, plus on va attirer ces jeunes-là à aimer ce sport et à se diriger vers une occupation saine qu'est le basketball. Voilà. Thank you.